Il fallait voir la joie de ça. Oh, avec ta petite chanteuse, tu pensais que ça devait aller où? C'est toi qui pensais que toi tu allais partir ou que toi il allait t'amener où? Sérieusement. Les jubilations de ça. J'ai dit, mais franchement, tantine, toi tu jubiles. Moi, je n'ai pas encore ton âge. Moi, j'ai le temps. Toi, tu jubiles alors que tu es passé par là. Mon grand frère, quand moi, est passé par là. Et d'autres. Mais tu es là. Et puis toi, tu as jubilé pour moi. Moi, il peut avoir qui il veut. Même ton fils là, s'il veut mon ça, je pine ça salement. Et personne ne va rien faire. C'est que ce n'est pas mon style. Voilà. Il ne voit pas garçon qui a me dit non. Même femme là, il ne voit pas qui a me dit non. Même ton femme, il pine ça s'il veut. Quand il dit, il y a les comparaisons, vous devez éviter, il y a les sujets, vous devez éviter d'aborder. C'est mieux. Voilà. Heureusement qu'on ne se croise pas dans les mêmes coins. Sinon, il attrapait, t'engager la pinesse salement pour le mal. Que bon, j'ai pris le 53 cm. Maintenant, il veut prendre celle avec qui tu cisailles. Voilà. Propre. Et puis, personne ne va rien me faire. Personne ne va rien me faire. Voilà. Merde. Le même schéma. Ça dit, c'est quelqu'un qui fait la paix aujourd'hui. Le lendemain, elle recommence à te lancer des piques. Et elle a formaté ses moucherons. Quand elle lance des piques, qu'est-ce que les moucherons disent? Elle blague, non? Elle blague. Mais les amitiés, là, la TKC est morte. C'est ce que j'avais dit. On a dit que, ouais, elle a clashé ma pépé. Moi, elle dit ce qu'elle voit. Bon, peut-être avec des mots durs. Mais voilà. Les jours-ci, on a vu comment la TKC s'est réveillée. Que, hey, vous croyez que quoi? On est toujours là, hein? La douleur sur la toile. Merci, Natacha. La douleur sur la toile. Oh, 5000 vues. C'est les qui les 5000 vues là? Maintenant, c'est que les abeilles restent à la fenêtre. Les pantins, puis regarder les lèvres. Eh bon, elles ont le choix. Maman, je suis venue te dire que tes abeilles vont toujours venir regarder nos lives. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes intéressants. Parce que nous sommes intéressants. Là où tu veux les amener, là, go, les soirées, go, les soirées là. C'est pas leur dada, ce qu'elles veulent, c'est le sang. Ce qu'elles aiment, c'est le sang. C'est comme si tu as pris les chiens, tu les as mis chez toi. Tu les as nourris à la viande crue. Donc, tu les as habitués au sang, des vrais carnivores. Tu les as mis chez toi, tu les as nourris à la viande crue. Et du jour au lendemain, tu te réveilles un jour, 10 ans plus tard, tu rassembles toutes tes vieilles chiennes là, tes vieilles rococo là. Il n'y a pas de chien animal, c'est une métaphore, pardon, don't get me wrong. On va après aller dire que, oh, elle nous a insulté, oh, elle est insolente, oh, 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 oh. Donc, tu te réveilles un jour, 10 ans plus tard, et tu dis maintenant, vous allez consommer de la purée. Depuis, toi, tu aimes le sang. Ce que tu as déversé donc sur tes moucherons. Elle aussi, elle aime le sang. Tu ne peux pas donner. Tu vas donner le pain au vampire. Le vampire veut le sang. Laisse les choses que la paix, la paix, la paix. Quelle paix? C'est elle qui dit qu'elle représente les États-Unis là. Même quand elle veut te parler maintenant, elle caresse parce qu'elle a peur. Go, les moucherons ne vont pas venir regarder mes lives. Mouf! Ils vont toujours venir. Elles vont toujours venir. Parce que tu ne peux pas fuir ta nourriture, man. Merci, oh, ma Samy, mon scarabée. Tu ne peux pas, le poisson ne peut pas fuir l'eau. Tes moucherons aiment le sang. Et aujourd'hui, tu ne peux pas exister sur la toile en dehors de nous, comme avant là. Tu ne peux pas. Donc, tes moucherons, quand tu vas m'allumer ta caméra pour parler, tes moucherons ne seront pas de quoi tu parles. Donc, elles seront encore obligées de venir regarder chez nous ce que nous on a fait. C'est ce que je suis venu te dire. Moi, je ne vais pas venir pleurer. Je suis venu te dire que tu as tapé, ça dit. Tu as tiré dans l'eau, tu as tiré à blanc. Ton kung fu est lent. Et la toile est suffisamment vaste. Et puis, il te dit quelque chose. Nous-mêmes là, on attend ta soirée. Si tu essayes de nous saboter, nous on va sortir. Gâter ta soirée. Vous êtes en train de gâter ma cagnotte, non? On attend ta soirée. On attend ta soirée. On va voir qui aussi a l'influence. Vous n'avez pas peur. La TKC a rapporté 28 000 euros. À la Gluta Cosmétique lors de la vente privée dans un cadre chic. J'ai vu les femmes capables là-bas. Toi, ta soirée a rapporté combien? Vous n'annoncez pas les chiffres. Soirée qui rapporte, quand tu vois, tu sais.
soirée qui rapporte, tu viens pas deux semaines plus tard mettre litchi. Ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas se faire. C'est pas logique. Aïe. Comment tu fais? Tu remplis les salles avec le grand Rabarabi. À qui tu as... Il va vous dire un truc. Vous savez qu'elle a... Sous ce sur, c'est mon père Rabarabi qui m'a dit lui-même. Il m'a dit que ma fille, tu te rends compte que quand j'étais dans la salle, quand les gens voulaient venir me farotter, c'est elle qui les bloquait, qui ne viennent pas me farotter. J'ai dit, non, mon père, tu ne peux pas me dire ça. Il dit, je te dis. Merde. C'est là que je dis que non, je dois seulement sortir. Alexa, arrête-toi. C'est là que je me dis que non, je dois sortir et que je suis sortie. Je suis sortie en dragon, comme vous m'avez vu. En scarabée rhinocéros, avec toutes mes cornes devant. Mais non, ça ne se peut pas. Si elle fait ça à Rabarabi, le grand prêtre, grand maître, c'est nous les tchotchorolas qu'on va laisser. Non, ça ne se peut point. Ça ne se peut point. Le pays qui a pris ses miettes pour venir à sa fête parce qu'elle pleurait, pour venir la soutenir parce qu'elle pleurait, que oh, je me débrouille, je me bats. Même stratagème, on vit avec les pleurs. Moi, je me débrouille. Dès qu'on a ce qu'on veut là, on gueule, on détruit d'abord là. C'est toujours le même stratagème. Ça a été le même truc avec Petit Pays. Ça a été le même truc avec Amout. Qui connaissait la vie d'Amout? Mais vous avez la mémoire courte, hein? Moi, je ne connaissais pas qu'on braise les prunes en bas de chez Amout. Moi, je ne connaissais pas. Il n'était pas moi au courant. Pourtant, c'est un grand que... Mais vous avez tout dit que moi, j'étais la jet set, non? C'est un grand qu'on voyait des fois dans certaines boîtes, là. Et quand on se perdait un peu dans le 17e, comme ça, c'est les grands qui mettent les champagnes là-bas, dans les restaurants. Bref, qui boivent, donc, qui vivent leur vie. Oh, merci, ma Samy. Merde, le cadeau que tu viens d'envoyer là, je ne connaissais pas ça, hein. Oh, merde. J'ai voulu cliquer dessus pour voir un peu la contenance de ça. Je n'ai pas pu. Ma Samy, s'il y a moyen, tu envoies encore un peu ça, qu'elle voit un peu ce que c'est. C'est combien de pièces le cadeau là? Il te demande ça, oh, c'est ça l'information que je vais avoir. Attends, je vais modifier ça. Ok. Non, je vais modifier ça là. Modifier. Le cadeau, s'il n'existe plus. Je vais modifier ça. Mais non. Voilà, j'ai mis un objectif. Vous pouvez tous passer dans mon objectif, hein, les gars. Voilà, encouragez vos créateurs de contenu, c'est important. Ma Samy n'est pas la seule à enjoy ici le live. Vous tous vous enjoyez, que tout le monde mette la main à la pâte. Hein? Donc, je disais, elle n'a pas hésité à enlever la nourriture dans la bouche de l'artiste qui a bien voulu sacrifier sa réputation. Sacrifier sa feuille de route. Parce que nous tous, on a nos cahiers de charges. Chacun sait ce qu'il peut accepter dans son cahier de charges, ce qu'il ne peut pas accepter. Il a accepté de prendre une somme minable pour venir soutenir une soi-disant petite sœur. Vous avez vu le résultat? Merci, ma tête percée. Bisous, mon bébé. Toi, tu peux contribuer dans la cagnotte, hein? Orange Money, Mobile Money, vous pouvez tous contribuer dans la cagnotte. Carte bleue. Oh, merci, ma Samy, il n'y a que toi ici, là. Les autres, là, vous faites quoi, non? Ma Samy est seule ici à regarder le live. Tapoter, envoyer les cadeaux. Hein? Elle n'a pas hésité à enlever la nourriture dans la bouche de Petit Pays. Saboter Rabarabi, comme vous avez vu. Comme il est grand, il n'est pas descendu dans la bouche. Il dit que grand, il faut laisser. Moi, je suis à dedans avec eux. Je suis déjà dedans, dans le pungoulou là avec eux. Donc, il peut pas. Je suis à sale. Donc, il peut me salir encore. Même le criquet là qui disait qu'elle a 33 ans, même elle est ma grande soeur. Donc, je suis la Benjamine de la toile. De tout le pungoulou là. D'Embrakata. Laissez Aïcha de côté. Même si elle-même là, son âge là, c'est douteux, c'est caduque. Hein? Aïcha, toi-même un jour là, tu allais nous expliquer ton âge là ici. Vrai, vrai. Tu vas nous sortir les photos de toi quand tu allais à l'école ici là. Arrête tes camarades. On doit voir clair dans ça. Parenthèse fermée. Je suis la Benjamine de tout le Mbrakata. Donc, c'est normal que je sois mal éduquée. C'est à vous de vous comporter. Parce que moi, je suis derrière vous, je regarde à vos fesses. C'est normal. Si vous faites de la merde, ça va sentir dans mon nez. Et si ça sent moi, il est parlé. Il va mourir la bouche ouverte. Ou bien? Ou bien? Il ne peut pas. Donc, à vous de vous comporter. Il ne peut pas te voir en train de descendre la carrière d'un grand frère comme Petit Pays. Je me tais. Aujourd'hui, tu sors
Tu dis que tu veux la paix. Dans le même, la même phrase où elle veut la paix, elle commence à dire comment oh, les abeilles ne doivent pas aller ici, les moucherons ne doivent pas aller là-bas. Oh, on est une place. On est... On s'en fout. On s'en fout. Votre règne est mourant. Tellement mourant que vous avez été obligé d'aller faire la paix avec les Lolomania. C'est ça qui est ça. Parce que si tu avais le choix, tu ne serais pas allé faire la paix là-bas. Tu fais la paix parce que tu vois que... C'est... Je vais vous dire un truc. Allez lire les livres, c'est important. C'est important. Rome ne négociait pas. Rome, vous voyez avec vos yeux. Si elle était encore la Nomba ou nous, elle ne serait pas venue faire la paix avec Lolo. Elle n'aurait même pas commencé à faire la paix, ma pépé depuis. Mais pire, venir faire encore la paix, Lolo. Maintenant, chercher la paix avec les autres là parce que ma pépé est partie monter dans le live de Reine Mère Bio. Moi, je tape sec. Je tape sec. La même phrase où elle dit que, oh, Nathalie Babalé, oh, 6 ans de travail sans salaire derrière moi. Mais tu dis que, oh, si Nathalie Babalé vient à ta fête, tu vas la laisser entrer. Reine Mère Bio, si tu pars là-bas, dès que tu vas tourner le dos, en mouf, de toute façon, il faut aller. Nous, on sera assis ici le lendemain pour t'appeler. Mais il faut aussi que quelque chose se passe. Pourquoi nous, on cherche nos vues, hein? Ah oui! Oui! Moi, je suis d'accord, même. Faites la paix. Faites la paix, là. Champion, Reine Mère Bio. Fais la paix. Va t'asseoir à la fête. Le lendemain, ça va venir nous trouver ici. Et puis nous, on va décortiquer. Nous, on va faire seulement les vidéos sur ça pour gagner notre argent. C'est tout. Parce que si tu ne pars pas aussi, rien ne va se passer. Donc, mieux tu pars. Mieux tu pars. Et puis, on va voir les retombées. Parce que je me souviens que pendant la dernière fête de Nganda qu'il y a eu, les TKC étaient remplis là-bas. Nicole, ça va bien où tu es? Okay, merci mon père Kishu. Oh là là, t'as vu ça? Je dois leur remettre plein la vue, tu vois, parce que plus tu as des ennemis là, plus tu es important. Quand tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'es personne. Donc, regardez. You can hate me now. Ooh, but I won't stop now. Cause I can't stop. Tu connais le genre d'épanouissement là, non? Un funky show, le genre d'épanouissement qu'on mesure comme ça là, avec la règle. Un genre d'épanouissement, que quoi? Il est sur ton mari, il s'est marié. Bah ouais. Tu vois qu'elle sourit jusqu'aux oreilles comme ça, tu comprends pas? Ah, il s'est marié ton petit ami, ton combat, il dit que c'était toi qui étais parti là-bas. Non, de tout si c'est lui qui l'a. J'étais là-bas la dernière fois, non, maintenant c'est son tour de venir. Voilà. Tous les filles là, maintenant, on dit quoi, maman? Mais elles vont seulement regarder, non, pleurer, non? Elles vont encore faire comment? Elles vont seulement spéculer, non? Hein? Tiens ton cœur, non? Voilà ta mère qui vient, déjà avec ta mère, que c'est un gros sorcier et que je ne le veux plus dans ma vie. Au lieu de commencer à venir chez moi, il y a même 2 jours, 3 jours. Il part directement chez toi. Il sait bien que quand il part, il va acheter, il va plus jamais me venir. Comment il commence chez toi? Le jus à la force, là, il doit avoir. Attends, comment? Le premier geste là, ça doit l'avoir être à la maison, Josie. T'es pas une autre fille ou fait un genre là. Tu deviens amie à elle. Et tu travailles. Ouais, que. Je suis amie à toutes les filles là. Surtout celles qui ont 5 francs. Oui, les pauvres là, moi, elles ne gèrent pas. Elles vont pas l'amener quelque part. Voilà. C'est, voilà. Voilà. Mais il y en a. Oh, donne à elle où? Donc là, c'est le crush, non? Elle m'a mis dans la cagnotte, donc ça chauffe. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Tu fais l'amitié avec l'anga. Quand tu vois qu'elle peut être un genre, tu fais l'amitié, tu tues son cœur en même temps. Ça va aller où? La stratégie, on appelle ça le comment on appelle ça? Le cheval de Troie. Mais il y a les qualités, les vieilles chouettes avec qui on ne peut pas faire l'amitié. Voilà. Les vieilles chouettes là, qui sont égoïstes, qui veulent tout pour elles là. Tout pour elles. Sans rien dépenser. Sans rien contribuer dans le foyer. Elles veulent tout pour elles. Non, tu ne m'as pas attendu. On a t'attendu que tu es Jésus. On est ça. Sérieusement? Oh, il n'a pas voulu attendre. Il va regarder tout ça, tout le paquet-ci, et puis il va attendre. Quelle qualité?
Quand on regarde ce qu'on doit attendre, là, même, attendre, même étonné. Oh, aussi, plaqué, oh là, j'ai été sympa. Hein. Par exemple, qualité des plaqués qu'on peut retaper tous les jours, on peut encore mettre les couches d'or sur ça tous les jours, là, ça ne donne pas. Oui. Envoyez mes étoiles, hein. Envoyez mes étoiles, c'est le show, c'est le show, c'est l'actualité de la toile, on fait le tour. On fait le tour avec la belle vue que je vous offre. J'ai oublié quelqu'un, mes bébés, dites-moi, j'ai oublié quelqu'un. Pas tout le monde va prendre balle perdue aujourd'hui là. J'ai oublié quelqu'un. Tout le monde va prendre ses balles. Maman, il y a une désespérée là, pardon, amen, quand même. Je vais faire, il va faire encore une vidéo sur toi, hein, mon petit criquet de cribi, d'accord. Parce que quand il parle pas de toi là, toi-même, tu sais pas trop de quoi tu as parlé. Et puis, il sait que ça te manque. Quand il parle un peu de toi, un peu là, tu dors un peu bien, tu te dis, oh, il a pensé à moi. T'inquiète, je m'en charge. D'accord? Je vais lui murmurer dans l'oreille entre deux, trois coups. Mm-hmm. Que oh, fais un, glisse un petit mot pour notre criquet. Pour ma couée, pour cela. Ouais, je suis dépassée par moi-même. Ouais, ok. Un coup, on va augmenter, un coup, on va diminuer. Maman Mireille, c'est ça que tu dis petit, petit comme ça. Et on revient à nos moutons. J'ai dit, tu peux remplir une salle avec les gens. Deux jours plus tard, tu mets litchi pour payer billet d'avion. Aïe! Billet d'avion! À tout à l'heure, Oshiga. Wow, Asia Pokam. J'étais là-bas, tu es venu me trouver tout à l'heure, mon bébé. On va faire un match tout à l'heure. Non, je suis concentré. Tout à l'heure, il vient te chercher. Il finit mon live. Mm-hmm. Voilà. Pour qu'il soit fragile, pardon. Il ne veut pas. Il y a les choses que. Truc. Il veut comprendre. Parce que vous me dites que oh, tu es mendiant, tu es mendiant. Maman. D'aller payer les billets de mon spectacle là, le 30 mars à Nantes. Mettez l'argent dans ma cagnotte. Je sors mon album. Je fais mes tournées. Et vous voyez s'il va encore venir vous demander l'argent. Non mais sérieusement quoi. Et bien s'il revient, c'est que c'est pour un putain de projet. Si je reviens, c'est qu'il veut faire un clip comme pour Michael Jackson, Thriller. Je dis ça, je dis rien, vous voyez un peu. C'est un exemple. C'est un exemple. Bonsoir, patience. Pas, il comprend pas. Merci, Titi. Merci. Tous ceux qui sont à Nantes et aux alentours, je vous attends. Même toi, le criquet, viens voir comment on chante. Tu as dit que tu vas me taper. Non, maintenant, tu sais où je serai le 30 mars. Je serai dans ta ville. Faut venir là-bas. Toi-même, quand tu as fait ça, est-ce que, quand tu fais ci, est-ce que, hé. Quand je demande l'argent à mes scarabées, c'est pour mon travail. Merci, patience. Quand je demande l'argent à mes scarabées, c'est pour mon travail, parce que c'est mon travail qui les intéresse. Merci, Douala. Moi, je suis alors mal élevé. Hein. Moi, je suis comme un enfant. Hein. Quand on me fait les promesses, là, moi, je crois. Hein. Et puis, je garde ça dans mon corps comme ça. Si je te vois ici après-demain et que tu n'es pas encore passé, ma tête va jeter l'air. Oui, moi, je pouvais vous prévenir. Moi, je suis très gentille. Je suis un amour, mais je suis une gamine. Je suis moi une gamine, oh. Quand on me promet là, tu vois les enfants, tu lui promets le bonbon, le jour où tu viens, tu ne donnes pas là, il est comme ça là, il boude. Donc, ok, Douala, j'ai compris. Voilà. Hein? Vous avez la cagnotte, le lien, mon arbre à lien qui apparaît là, vous cliquez dessus. Et vous allez voir l'onglet cagnotte. Vous pouvez contribuer avec PayPal, avec carte bleue, avec mobile money, avec MTN money, avec tout ce qui est money là-bas en Afrique, dans les portefeuilles mobiles. Voilà. Donc, c'est une équation que j'aimerais que les moucherons viennent m'expliquer. J'aimerais. Parce que quand vous mettez vos cagnottes, vous ne dites pas que c'est seulement les moucherons qui doivent contribuer. Voilà celle des États-Unis. Moi, il ne peut pas me lever un jour. Bonsoir, my baby, tonight. Je ne vais pas me lever et dire que ne donnez plus l'argent là-bas. Ne donnez plus l'argent là-bas. Qu'est-ce qui? Je suis qui? Hein? Je contrôle l'argent des gens.
Tolly.com est dans la place. Le seul média impartial de la toile. Le seul média qui a contribué dans ma cagnotte. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'elle au moins reconnaît qu'elle prend nos vidéos là. Elle fait son petit beurre avec. Donc elle nous donne aussi un peu. Elle reconnaît que oh, là où on est suite au Shiga, elle poste souvent, elle a 5 flammes. Donc elle se dit qu'elle va faire son saraka. Comme ça, elle peut continuer de boire mon sang tranquillement. Ce n'est pas les mains nos conneries là. Celui qui a la tête comme le cochon là. Ce n'est pas les eux là qui savent seulement manger, se nourrir des autres. Rien donner. Tu vas être le laban de Foucault jusqu'à la fin des temps. Et rien de bon ne va sortir dedans. Voilà. C'était une parenthèse. J'en étais où? Où en étais-je? Oui. Toi, tu viens dire aux gens de fermer leurs yeux quand ils regardent une beauté comme ça. Là. Elles peuvent d'abord, tes moucherons là, c'est là-haut, 80% d'abord, soit les lélés. Lélés Pro Max. Donc, elles me voient là. Elles s'imaginent la toile. Je suis le pain le plus croustillant de la toile. Ça, ce n'est pas un débat. I'm not discussing, I'm not arguing with you. Je suis le pain le plus croustillant de cette toile. C'est un fait. Donc, quand toutes tes mamans lélés là, hein, qui sont seules dans la maison avec leur bouteille de vin là, quand elles se baladent le soir sur la table, tu penses qu'elles peuvent me voir et louper? Elles peuvent pas. Elles n'ont pas cœur de ça. Merci Christian de Monaco qui a déclenché le groupe d'étoiles, oh, les gars. Le groupe d'étoiles, oh, les gars. Le groupe d'étoiles, validez le groupe d'étoiles. Validez le groupe d'étoiles, achetez les étoiles. Cliquez sur l'arbre à lien, vous cherchez où c'est écrit achetez les étoiles moins chères, mes bébés. Vous achetez là-bas, si chacun vient mettre 100 étoiles là, on brûle ça. On brûle. Vous êtes 385, si chacun met 100 étoiles, on brûle. Si vous êtes sur les autres pages, quittez les autres pages, vous venez sur Oshiga, la reine Scarabée, sur Facebook. Si vous êtes sur Oshiga Tuku, si vous êtes sur Oshiga Off, venez sur Oshiga, la reine Scarabée. Vous achetez les étoiles et vous envoyez pour qu'on valide le groupe d'étoiles, s'il vous plaît. Il reste 3 minutes et quelques. S'il vous plaît, je ne veux pas rater ça. Vraiment, la page, les pages, toutes mes pages sont hyper restreintes. Donc voilà. Je sais que vous êtes en train de prendre votre pied dans mon bavardage. Là, vous, Yaimo. Donc, donnez mes perdièmes. Donnez mon pouvoir. Mais moitié. Thank you, my baby, tonight. Tout le monde met ses 100. On va arriver, il reste 2 minutes. Oh, mo. Oh, cri-cri, oh. Oh, cri-cri, oh. Oh, mon cri-cri, oh. 2 minutes et quelques. Je ne sais pas combien d'étoiles il manque, mais je sais qu'il manque beaucoup. 2 minutes et quelques. Il manque beaucoup d'étoiles. Les gars, faites ça bien. Merde. Merci, mon père. Oh, mo. Omo, merci Natacha. Il en reste, il en manque encore. 2 minutes et quelques. Thank you, my baby. Dites-moi combien d'étoiles il manque pour que je puisse signaler aux autres qui sachent combien ils doivent mettre. Je veux voir le max de personnes, mais ça ne doit pas toujours être les mêmes personnes, s'il vous plaît. C'est la tontine qui fait la force. D'accord? Ce n'est pas une seule ou deux ou trois personnes seulement qui doivent. Il manque 1000. Donc, vous avez fait 800. Il manque 1000 étoiles. 2 minutes. Ah, 17! Merci, ma belle. Et merci, hein, je t'ai vu passer dans la cagnotte. Merci. Merci beaucoup. Cœur sur toi. Cœur sur toi, Adissatou. Je t'ai vu passer dans ma cagnotte. Merci, Alphonsine. Ouh, il manque 100 étoiles. Je crois qu'il manque seulement 100. Il manque seulement 100. Oh. 200. OK, il manque 200 apparemment. 1 minute et quelques. Voilà, personne ne connaissait les groupes d'étoiles. Si vous doutez, allez leur demander. Personne ne connaissait les groupes d'étoiles. Voilà, c'est moi la reine. Donc, il est hors de question que quand un groupe d'étoiles se déclenche là, moi, je loupe ça, ça ne paye pas. Vous avez bu ici, là, dans mon savoir. Et vous me manquez de respect à la moindre occasion. Oh, elle parle mal. Elle ne doit pas parler. Elle ne doit pas ci, elle ne doit pas ça. Pourtant, quand j'ouvre ma gueule, vous venez vous asseoir ici, vous piochez et vous allez appliquer chez vous. Comme les conneries, comme les Karine Réchaud, là, les mêmes gens. Ces abonnés venaient ici piocher mes astuces Facebook. Pour aller lui donner là-bas, après ils ont commencé à saboter ma page. Vous avez cru que vous m'aviez mise à terre, non? Me voici comme le phénix. Mm-hmm. Attends. Que nous est-il arrivé? We used to be great. Déploie le phénix, prends le risque.
depuis la vallée du Nil. Le souvenir de ta grandeur nous rappelle. Mumbe, gumende numbole, mumbe, mumbe. Merci les pleureuses de la toile pour le partage. Oui, 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 l'artiste ne ment jamais. Je ne mens jamais. Voilà. Si je mens là, c'est que je suis devant la police. Voilà, je mens seulement devant la police. Je mens devant les contrôleurs. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé hein, que l'amour était... Ça dit, je mens au contrôleur. Et si je me retrouvais devant le juge un jour, peut-être que là, il va mentir, peut-être. Voyez, non. Mais en dehors de ça, je ne vois pas pourquoi il doit mentir à quelqu'un. Mentir à quelqu'un, là, ça veut dire que j'ai peur de toi. Comme j'ai peur du nier, je le mens. Comme j'ai peur de payer les amendes, je mens au contrôleur. Mais il ne peut pas mentir à quelqu'un qui est humain comme moi, là, qui ne peut rien me faire. Voilà, il te dit ton vrai nom. Et puis, si tu veux, tu me détestes. Hein? Il faut en vouloir à la vérité. Et pas à moi. Entre celle qui vous dit que, oh, la paix, ma copine. Mais vraiment, les moucherons, moi, j'ai pitié de vous, hein. J'ai trop pitié de vous. Le matin, c'est que, oh, c'est ma copine. Ma paix, c'est ma copine. Nye, nye, nye. À 15h, c'est ma collègue blogueuse. À minuit, pas un goup goup. C'est toi à Yakuba, pas un goup goup. Les nouvelles amitiés, les alliances qu'elle a forgées avec les ennemis de pas un goup goup. Eux-mêmes, ils sont étonnés. À l'aurore, c'est que, oh, c'est mon père. Nya, nya, nya. Tout le monde fait la paix, moi aussi je dois faire la paix. Maman, tu fais la paix pour faire la concurrence aux gens. Vous faites la paix pour faire la concurrence parce que quand tu écoutes son discours, c'est que, oh, pourquoi les autres doivent faire la paix et nous, on ne fait pas la paix. Tu fais la paix parce que ton cœur est apaisé. Parce que la personne te manque, parce que tu reconnais tes torts, ou tu fais la paix par rapport aux gens. On a annoncé ici, fort, 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 oh, oh. Et le monsieur là, il n'a pas de fierté. Elle n'a pas de direction. Et moi, j'ai pitié de ces moucherons. Parce que quand votre locomotive est folle, vous allez seulement faire comment? Vous allez partir à la dérive. Vous allez vous balader comme le mauvais esprit partout sur les pages des gens. Quand elle vient vous dire qu'elle n'est pas plus sur les pages des autres, ça me fait rire. Ils ne vont pas aller qu'ils vont faire quoi? Tu peux faire le contenu pour tout le monde. Tu peux faire le contenu matin, midi et soir. Tu fais un live par jour. Elles vont se contenter de quoi? Quand elles finissent de regarder ton live, elles vont faire quoi? Donc ceux qui tremblent même que, oh, elle a dit qu'on ne regarde plus. Ils vont toujours regarder. Ils ne tremblent même pas. Tu comprends dans Dorcas, tu viens pleurer là, tu lui parles calmement parce que tu as trop peur. Non, je pense qu'elle a été maladroite. Mon frère n'a pas été maladroite. Elle est méchante, égoïste et égocentrique. Tout pour elle, rien que pour les autres. Ça, c'est sa vraie nature. D'accord? Mais malheureusement pour elle, elle ne peut pas créer le contenu pour tout le monde. Si on, nous tous, on quitte Facebook, on te laisse. Tu es sûr que tu vas pouvoir créer suffisamment de contenu pour satisfaire les gens? Tu sais ce que tu peux? Tu peux pas. Donc tout ça, c'est maïs. C'est vous qui venez trembler. Moi, j'ai pas peur de ça. Ces moucherons vont toujours venir regarder ici. Parce que, un, comme je dis, je suis agréable à regarder d'abord. Ça, c'est un. Et deux, mon contenu est pertinent. C'est tout. Il y a la place pour tout le monde. Il y a les jours, je prends TikTok, oh, elle est sur ça. Facebook, oh, elle est sur ça. Elle connaissait à quelle heure je bindais avec mon 53 cm. Elle connaissait ce qu'on mangeait. Elle connaissait quand j'ai brûlé la marmite. Elle connaissait quand j'ai mangé deux poissons, moi, elle connaissait tout. Elle connaît même que comment il enlève le cul dans ses dents. Comment il enlève les poils avec le cul dans ses dents. Elle connaissait tout ça. Mais elle va venir dire aux gens qui ne regardaient pas leur contenu. Toi-même, tu es fan d'abord. You a fan. Alors, si la reine est fan, les moucherons n'ont pas le choix. Les moucherons n'ont pas le choix. Et quand on va finir le live, ils vont entrer pour regarder. Vous pouvez regarder le live à la fenêtre pendant que c'est le live. Après le live, vous ne pouvez pas regarder à la fenêtre. Après le live, vous êtes obligé d'entrer dans le live, dans la vidéo, pour regarder. Et quand vous regardez après là, la publicité passe, notre argent entre. Rien à foutre. Vous allez sauf que regarder. C'est ce que j'étais venu vous dire aujourd'hui. Que quand vous allez à la guerre, il faut bien aiguiser vos armes. Parce que la balle que tu as sortie, là, tu as tapé poteau. Tu as tiré à balle blanche. Tu as donné un coup de poing dans l'eau. Tu vois un peu? Comme vous ne connaissez pas
Vous travaillez sur, sur une plateforme, vous ne maîtrisez pas comment ça se passe. Je peux faire mon live ici, tous tes moucherons là restent à la fenêtre. Quand le live va finir, ça peut blesser quelqu'un. Comme tu dis, c'est pistolet à eau, elle a utilisé. Pistolet à eau. Que dis-je? Pistolet à bulles. Vous voyez les pistolets qui font les bulles là, les bulles de savon là. C'est ça, elle a utilisé. Sans effet. Je vois les Dorcas venir commencer à pleurnicher. Oh, quand tu dis que mon fou pleurait quoi? Tu es sûr de ton contenu? Elles vont toujours venir regarder. Moi, elle ne les supplie pas. Hein? Que merci aux abeilles qui ont mis les étoiles. Merci aux ceci qui ont mis les étoiles. Je m'en fous de ça. Hier ou avant-hier, il y a une qui est venue ici dit que oh, vraiment, je te demande pardon. Je te détestais. J'étais dans le aide-moi à détester. Alors que tu m'as rien fait, je te demande pardon. Partagez le live jusqu'à. Jusqu'à. Et puis, comme je dis toujours, il y a les Burkinabés, il y a les Ivoiriens, il y a les Congolais, il y a les Nigériens. Il y a. Oh, 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 oh. Le monde est vaste, il y a les Béninois. Il y a tellement de gens. Tellement de gens. À partir du moment où tu fais du bon contenu, on va consommer. Donc, attelez-vous à faire du bon contenu au lieu de supplier les gens pour que leur team vienne regarder vos vidéos. Si vos vidéos ne sont pas intéressantes, elles ne viendront pas regarder. D'accord? Donc, faites du bon contenu. Et elles vont venir. Que leur sorcière, leur égocentrique de reine dise quoi que ce soit. Voilà votre reine des moucherons. Oh, ne regardez pas. Demain, elle va venir vous dire quand elle aura ses intérêts là-bas pour flatter la personne avec qui elle a ses intérêts. Et je cite les Ivoiriens comment? Je ne cite pas les Ivoiriens parce que c'est la famille, ça va de soi. Ivoirien, Camerounais, là, c'est la fusion. Vous pouvez faire quelle paix avec tout le ressentiment que vous avez dans vos organes? Quelle paix vous pouvez faire? Quel genre de paix vous pouvez faire avec toute la rancune et la rancœur que vous avez dans vos ventres? Quel genre de paix vous pouvez faire? Vous avez dit ici quoi? Ta carrière n'ira nulle part. Hein, machin, machin, aucun promoteur ne peut te prendre. Nye, 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 nye. Je vais à un gala. C'est un gala. Parce que quelqu'un m'a dit que c'est pas les soirées dans les Ngandala. Non. C'est un gala. Avec robe de soirée et tout et tout et tout. Vous voyez, non. C'est là-bas qu'il va aller chanter. À côté des putains de vocalistes comme Ruth Cotto. À côté d'une putain de vocaliste comme Ruth Cotto. C'est de ça qu'il est question. Voilà, les artistes qui sont dans ma trempe, pas les artistes qui vont venir chanter. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un parce que après ça va retomber sur moi. Bref, qui vont chanter le genre que moi je ne peux pas chanter. Comprenez comme ça. D'accord? Voilà. Et je vais me faire un putain de carnet d'adresses. Parce que ce sont les femmes dignes qui seront là-bas, pas les ivrognes comme vous dans vos soirées là. Jusqu'à, elle avait dit quoi un jour? Elle avait dit que le jour, elle l'avait à mes caméras. Elle avait dit que oui, viens me donner 1000 euros. Et elle va chanter à mon événement. Hein? Moi. Mieux elle prend les 1000 euros là et pas payer un sac. Staff là. Mieux elle prend les 1000 euros là. Je vais payer les blogueurs, les TikTokers qui vont faire les trends, qui vont rendre ma musique tendance sur TikTok. Moi, je prends 1000 euros pour venir te donner pour acheter les autres. Pas par bonté. Mais pour acheter les autres, pour posséder les autres. Pour tenir les autres. Il y a des gens comme ça. Et moi, ces gens-là, je les fais à distance et je n'en veux pas. Je n'en veux pas. D'accord? Le genre-là, je n'en veux pas. Les dettes morales-là, les dettes qui finissent pas. Oh, je t'avais aidé, je t'avais donné ci, je t'avais fait ci, ça finit pas. Comme tu as aidé quelqu'un un jour, la personne devient ton soumis. La personne doit avaler tout ce que tu fais caca, on avale. Tu fais pipi, on avale. On dit rien parce que tu avais aidé. Non. Non. Comme les Ivoiriens disent là, ton merci finit pas. La paix, la paix. Quelle paix? Je vous dis pourquoi monsieur Amoté est content. Dans sa tête, il a la reine mère bio. Il a Lolo. Il a son ex-belle-fille. Son ex-fille. Il a Patricia. Moi, je ne connais pas ses rapports avec le diamant bleu. Mais vous voyez toute la brochette qu'il a déjà là, c'est pas mal. Donc, il a toutes ces pages-là qui vont être mobilisées pour parler de lui. Sauf son ex-fille, parce qu'elle ne parle pas des gens sur sa page. Elle ne parle pas des gens sur sa page. Elle ne partage pas sa petite visibilité. Comme si elle donne à quelqu'un, ça va lui enlever quelque chose. Elle a une qualité d'aide là qu'il ne faut même pas accepter. Parce que ça vient salir ce que vous avez fait. Ça vient entacher ce que vous faites. Il y a les qualités d'aide. Pourquoi le type, ce n'est pas encore bloqué? Attends. C'est ta mère qui l'aide, Tumbu. Ah, il est même bloqué. C'est bon, on l'a bloqué.
Il y a les qualités d'aide qu'on n'accepte pas. Donc, mieux elle reste avec, qu'elle aille partager pour les autres. Avec qui elle dit qu'elle a trop fait la paix là. Qu'elle aille partager pour eux. D'accord? Le monde est vaste. Et les choses changent. Même dans les teams là. Quand vous regardez bien, vous allez voir que ces moucherons ne sont plus autant, aussi nombreux qu'avant. Hein. Les gens se découragent. Les gens ouvrent les yeux et les gens se fatiguent en fait. Et je vais te rappeler un truc aussi. La reine des moucherons. Ton audience est vieillissante. Ton audience est vieillissante. Les jeunes filles qui te suivent, qui te yamo, la majorité sont au Cameroun, en Afrique, elles ne peuvent pas rapporter 5 francs. Celles qui te soignent ici sont les mamans. Celles qui te soutiennent ici, ce sont les mamans. Elles sont vieillissantes. Elles vont se fatiguer. C'est nous la relève. Ma pépère a beaucoup les jeunes derrière elle. Oui, parce que vous faites les plans. Moi, étape sec. Là, là, là. Elle est en compétition avec sa copine d'hier qui est devenue sa collègue aujourd'hui. Elle est en compétition avec elle depuis qu'il y a eu les 5000 vues là avec l'affaire de Messant. Quand la femme de Bia était sortie, le défend dit que non, elle-même on lui avait fait ça, la belle sa mère lui avait fait ça, la belle sa mère n'avait pas menti. La vidéo là, elle là, où tu dis que Kacham, est-ce que quelqu'un peut me trouver, quelqu'un peut me l'arrêter là-bas au Maroc. La vidéo est là, exactement comme tu as lancé un Kacham sur moi. C'est pour ça que tes moucherons sont en tas sur ma cagnotte. Et qu'elles étaient en tas à un moment là sur mes pages. Elles ont compris que non, ma page elle ne peut pas tomber comme ça. Ma page, il y a les pare-feux partout. La clôture, ma page est terriblement clôturée, bétonnée. Même pas tomber comme ça. Vos choses que vous faisiez aux anciens là, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Moi, je suis allée à l'école pour ça. Contrairement à vous. Dans le but maintenant d'encourager le père là, à cracher sa soeur, c'est pourquoi. Parce que toi, tu es en train de faire la paix avec tout le monde. Mais pourquoi tu encourages les frères là? Si tu étais une vraie amie, toi qui les connais eux deux, tu allais chercher à mettre la paix. Je pose une question. Depuis le début de leur histoire là, est-ce qu'elle a essayé de mettre la paix entre eux? Toute ta vie, tu parleras d'elle. Oh, elle te hante pour elle, tu n'existes pas. Oh, ce qui est bizarre est que tu te prends vraiment au sérieux, ma belle, tu n'es personne. Oh, je ne suis personne. Mais tu es en train de commenter sur ma page. Toute ma vie, je vais parler d'elle, oui, mais pas toute ma vie. Je pense pas, non. Je pense pas. Et je peux te faire une promesse. Non, sa mère sait que j'existe, puisque là, je l'ai fait craquer ici. Mais elle va continuer de parler de moi et encore plus dans quelques temps. Ça, c'est une promesse que je te fais. Note la date d'aujourd'hui. Par contre, moi, un certain optimiste n'ont pas honte. Les gens comme ça, les qui pensent à leur gueule, qui veulent tout pour eux, qui veulent toujours la lumière pour eux, ils sont prêts à tout. Donc, note la date d'aujourd'hui. Tu notes la prophétie qu'ils viennent te donner. C'est la même chose que j'avais dit au criquet là. Qu'un moment va arriver, tu vas faire ma publicité ici. Sur cette toile, elle ne m'avait pas cru. Là, voilà maintenant qui ne peut pas dormir sans penser à moi, qui ne peut pas faire un live sans parler de moi, avec les nerfs, les veines qui sortent sur son maigre, sur ses paquettes là. Hein? Elle peut pas? C'est comme ça. L'oracle a parlé. Ce que j'ai dit là, c'est ce qui sera. D'accord? Donne-nous la date d'aujourd'hui. Oui ou non? Voilà. Continue de rêver, tu es la plus opportuniste. Ouais, l'opportunité que j'ai saisie, c'est le 53 cm. Ça, c'est la putain d'opportunité. Je vous comprends, c'est pas facile à digérer. Je vous ai arraché votre toutou, votre jouet. J'en ai fait ma propriété. Vous qui êtes les nombres, les 1 des 1. Même Samy dit qu'on ne voit pas le carreau devant. Vous êtes les 1 des 1. Mais j'ai pris la nature dans vos bouches comme ça que, hop, donne ça ici. Le mannequin, bisous là-bas. Dis que donne ça ici, là. C'est... Et vous avez dit, hein, la personne qui écrit encore Choucré sur sa page, je bloque. Voilà. Vous écrivez Choucré sur sa page, je vous bloque. M'aide. Guérissez un peu. Soignez-vous. Vous venez dans le passé. Oui, c'est un trophée. C'est un trophée, oui. Hey, moi, je reconnais que vous étiez les nombres 1. Vous étiez, parce que ça, c'était avant, c'est fini aujourd'hui. Vous n'êtes plus les nombres 1, c'est fini. Mais vous étiez nombres 1. Alors, prendre le cœur du ballot du nombres 1, m'aide. C'est, il faut avoir le gros cœur. C'est mon trophée, tu parles de quoi? Attends, j'ai son bit qui est moulé, c'est un projet. On va mouler son bit, on va poser quelque part, comme une statue de 53 cm.
Ils sont en train de réfléchir comment ils vont même commercialiser ça. Pour vous, toutes les femmes aigries là, les femmes seules là. Hein, les femmes qui skin totent leurs doigts chaque nuit là. Voilà. Même vous les lélés, même vous aussi, ça peut vous servir. Vous comprenez avec quoi? C'est un projet pour vous. Dites-moi merci. Il ne pense pas qu'à moi seul. Je suis en train de voir comment on va commercialiser ça. Comme ça, chacune va avoir aussi pour elle. Vous allez venir m'insulter. Vous restez quoi sur moi? Ça va changer quoi? Ça enlève quoi? Ce soir encore, il est piloté ça piaou en pensant à vous. Et rien ne va faire. Quoi un peu? C'est qu'elle suit là. Même si mon temps finit là, j'aurais joui de ça beaucoup plus longtemps que vous. En temps, en quantité. C'est avant là que vous faisiez ça aux gens. Now is the new generation. You are old and tired. Get some rest and let us leave. Leave us alone. C'est parce que je peux pas faire de live. C'est que je devais le faire pour toi. Tu es si ridicule. Non, c'est ton français qui est ridicule, ma. Mieux tu ne fais pas de live. Parce que si tu parles comme tu écris là, ça va être la catastrophe sur Facebook. Voilà les moucherons qui sont en Afrique là. Elle a mis ses 200 pour venir m'écrire ici là. Après, votre cugno de reine va dire que oh, ne partez plus regarder. Vous avez le choix. Vous allez sauf que rester là, regarder et commenter. Feur. Genre, hot, feur. Demande que. Tu l'as absolument. Vous avez, on a get choice. Which choice do you have? You don't have any. She is not interesting. Like, every day is the same shit. Tous les jours, les mêmes choses. Les mêmes choses depuis 10 ans. Vous êtes fatigué. Si nous, on n'était pas sur la toile, c'est que vous avez à faire les dépressions. C'est que vous avez à faire les dépressions, à consommer les mêmes conneries de là-bas tous les jours. Là. C'est que vous avez à faire les dépressions. Dites-nous merci. Hein? On vous change un peu. De votre quotidien morbide, là, votre quotidien d'alcoolique, là-bas, là-bas, c'est ça tous les jours, les bouteilles de vin. Où ça part, c'est que le bar. On ne doit pas répondre pourquoi. Venez dire ici sur la toile que, oh, mes moucherons, n'allez plus regarder les vidéos des autres. C'est une attaque directe envers nous les autres, ses collègues. Et demain, elle va dire que, oh, j'ai fait mon événement, personne ne m'a soutenu, personne ne m'a ceci. Elle s'attend à ce que nous, on dise aussi à nos abonnés d'aller soutenir ces événements. Elle n'est même pas intelligente, cette femme. C'est ce qui est dommage. On dit vraiment que quand il n'y a rien dans la tête, là, c'est le corps qui souffre. Vous avez l'exemple typique. Comme sa tête est percée, là, tous les jours, elle se balade là-bas en Turquie pour fendre le corps. Même si c'est un job, comme vous avez dit, c'est pas parce que c'est un job qu'il faut faire. C'est pas ce qui est gratuit qui est bien. Regardez, ses lèvres sont là, comme si c'est l'abeille qui a piqué. Bientôt, on va l'appeler Bogdanov. Bientôt, on va l'appeler Bogdanov. Tapez ici, là. Tapez ma main. C'est comme ça que tous les autres ont commencé. Allô, allô, il y a bien le volume. Il y a bien le volume. C'est ton téléphone qui est machin. Il y a le volume. Bientôt, ça va être Bogdanov. Donc, voilà. Je venais vous informer que nous, là, nous, on s'en fout de toutes les directives que vous pouvez donner à vos moucherons. D'accord. Ça ne peut même pas nous effleurer. Bon, j'avais abattu depuis longtemps, mais là, c'était la confirmation. D'accord. À l'heure, là, c'était la confirmation. Parce que ça, c'est le désespoir qui peut pousser une femme à s'offrir des fleurs elle-même et dire que c'est le gars d'une autre qui lui a envoyé ça. Il n'y a que le désespoir. Moi, j'ai fait 2 ans de célibat ici, je ne me suis jamais menti. Je ne me suis jamais menti. Quel genre d'amis, les amis qui sont tôt. Allez là-bas avec ça, bouffe. Quel genre d'amis? Les amis qui sont tôt. Les amis qui s'appuient les seins et les fesses, comme on a vu là. Les amis qui se moquent et mettent la langue. Moi, je ne moque pas mes amis. Hein. Moi, je ne moque pas mes amis garçons. Parce que je suis trop bonne. Si elle le moque, il va vouloir me mettre dans son lit. Oui. Sinon, Bambinda, ça veut dire que vraiment, elle n'a pas réussi à faire lever le gars. Parce que franchement, celle que moi, j'ai vu là. Une femme normale, moi-même là, c'est mon Joe. Moi, il ne m'a jamais tripoté comme on l'a tripoté là en live. Vous parlez de quoi? Vous êtes aveugle. Ou bien comme vous êtes tous des bordels là dans votre team, vous ne pouvez pas, vous ne voyez pas clair. Comme vous êtes des femmes sans dignité dans votre team là, vous ne voyez pas la réalité des choses de la vie. T'as fait les 100 gars, appuyer tes lasses, appuyer tes 5, t'appuyer en live. Mon ami, quelle amitié? Les amis que le gars vient dormir chez toi une semaine, quel genre d'amitié?
Vous appuyez? Pourquoi? J'étais curieuse, je suis repartie regarder les anciennes vidéos là. Je vais commencer à poster ça ici. Je vais commencer à poster les vidéos là ici. Et vous allez me dire si c'est. Si ce n'est que mon ami et que je n'ai pas envie de sortir avec lui, je ne veux pas qu'il m'aime. Parce que s'il m'aime, ça crée une frustration. Ça crée une frustration dont mon rêve sera qu'il cesse de m'aimer. Mais si elle me place ici, elle dit que c'est mon ami, hein, mais il m'aime. De toute façon, il n'aime pas sa nouvelle gars. Hein. Moi, il m'aimait. Ça veut dire que toi-même aussi, tu voulais. Mais comme vous êtes habitué à vendre votre piment, comme vous ne connaissez pas l'amour, là, comme vous n'avez jamais aimé, vous, là, vos relations sexuelles, c'est toutes les relations tarifées. Vous allez comprendre ces choses-là comment. C'est les choses qui vont pas partir de votre quotidien. Je dis que ces moucherons qui sont en affaire, sont les filles comme Binda pour le ping-pong booster. Regardez Mbopi. Saboula de Mbopi. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Les gens comme Binda pour le ping-pong. C'est elles qui vont venir ça parce qu'on est venu légaliser le piment ici là pour elles. Donc elles étaient contentes qu'on a enfin quelqu'un qui nous représente aussi sur la toile. Comme c'était quelque chose de merveilleux de vendre le piment. Hein? Non, look on, hein? Et vous êtes vous dit quand vous venez ici là, il faut préparer vos mouchoirs. Hein? Oui. Il faut préparer vos mouchoirs. Préparez moi, avec dosé salement. Sans pitié. Voilà. Donc arrête l'hypocrisie. C'est ce qu'elle venait dire. Arrête l'hypocrisie. Tu ne veux pas la paix. Tu cherches les alliés pour faire la guerre. Tu cherches les alliés pour éteindre et écraser les autres. Mais c'est trop tard. Parce que c'est toi qui es en train de t'éteindre. D'accord? Il n'est pas m'aligné en route pour vendre les tickets. Il y a niveau et niveau. Vous étiez où les moucherons pour vendre ces tickets? Vous étiez où? Si vous étiez si puissante que ça, elle devait s'asseoir à la maison. Et les tickets là finissaient. Oh, ah. Les gens ne veulent pas venir prendre les tables à crédit comme les parents d'Ansan. Parce que si tu donnes une table à crédit, ça veut dire que tu n'as pas vendu la table. Si tu as vendu la table, tu ne peux pas accepter de la donner à crédit à quelqu'un. Et si tu as rempli la salle, virgule, tu ne peux pas venir 2 jours plus tard mettre un litchi pour un putain de billet d'avion. Le volume est bon. Voilà. Respectez-vous et respectez nos oreilles. Quand vous venez mentir ici, mentez doucement. Moi, je n'ai pas. J'accepte que je n'ai pas. C'est pour ça que je mets ma cagnotte. Jusqu'à j'ai choisi une cagnotte où même mes frères du pays et d'Afrique peuvent contribuer. PayPal, carte bleue, mobile money, tout le monde peut contribuer parce que je n'ai pas.